1. Je n'y connais pas grand-chose en musique, mais il y a un instrument qui fait un drôle de son. Ce n'est pas un instrument, c'est toi qui as oublié d'éteindre ton portable. 2. Oh, celle-là était superbe. Tu as vu ses couleurs? Oui, c'est très beau, mais ça me fait toujours un peu peur. Ça ne risque pas de mettre le feu en retombant? 3. On a vu passer au moins 300 voitures et pas une qui se soit arrêtée. Si tu avais fait réviser la tienne avant de partir, on n'en serait pas là. 4. Vous vendez ça comme animal de compagnie? Ce n'est pas dangereux? Pas du tout, monsieur. Il est très calme et il ne mange que des souris. 5. Vous savez que votre passeport est périmé dans 3 mois. Ah non? Je n'ai pas fait attention. Ça pose un problème? Pour ce voyage, non. Mais il faudra penser à le faire renouveler quand vous rentrerez. 6. Allez, encore un petit effort. Plus qu'un kilomètre et on arrive. Je sais. C'est la 5e fois que tu dis ça. Je n'y connais pas grand-chose en musique, mais il y a un instrument qui fait un drôle de son. Ce n'est pas un instrument, c'est toi qui as oublié d'éteindre ton portable. 2. Oh, celle-là était superbe. Tu as vu ses couleurs? Oui, c'est très beau, mais ça me fait toujours un peu peur. Ça ne risque pas de mettre le feu en retombant? 3. On a vu passer au moins 300 voitures et pas une qui se soit arrêtée. Si tu avais fait réviser la tienne avant de partir, on n'en serait pas là. 4. Vous vendez ça comme animal de compagnie? Ce n'est pas dangereux? Pas du tout, monsieur. Il est très calme et il ne mange que des souris. 5. Vous savez que votre passeport est périmé dans 3 mois. Ah non? Je n'ai pas fait attention. Ça pose un problème? Pour ce voyage, non. Mais il faudra penser à le faire renouveler quand vous rentrerez. 6. Allez, encore un petit effort. Plus qu'un kilomètre et on arrive. Je sais. C'est la 5e fois que tu dis ça. Bonjour, docteur Martin. C'est Solange. C'est juste pour vous dire que je vais mieux et que je reprendrai le travail demain comme prévu. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les rendez-vous cette semaine. À demain matin, donc. 2. Je sais bien que tu n'as pas le temps de répondre, mais tu te souviens peut-être?
Aujourd'hui, c'était les résultats de mon examen de solfège au conservatoire. Alors, j'ai réussi, avec mention très bien. J'espère que tu es fier de moi. Bisous, et à ce soir. 3. Docteur Martin, c'est Madame Leroy. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est à propos du nouveau médicament que vous m'avez prescrit. Depuis que je le prends, je ne dors plus, et en plus, j'ai des maux de tête terribles. Je voudrais savoir si je dois vraiment continuer. 4. Alors Jean-Charles, toujours autant de travail? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et j'ai plein de choses à te raconter. Est-ce que tu auras quand même un petit moment pour prendre un café et bavarder un peu, un de ces jours? Appelle-moi quand tu veux. Je t'embrasse. Ah oui, au fait, c'est Cécile. Tu m'avais reconnue? 5. Oui, bonjour. Ici le docteur Duval, du laboratoire Mercier. C'est au sujet des examens que vous avez prescrits pour Monsieur Lapouge. Je voudrais savoir s'il faut faire aussi le dosage du magnésium intracellulaire ou seulement du magnésium sanguin. Pouvez-vous me laisser un message au 06 43 12 27 29 ? Merci d'avance. 6. Allô chérie, si tu as une minute entre deux patients, tu pourras me rappeler à la maison ? Il y a un petit problème avec nos billets d'avion pour les vacances et je voudrais avoir ton avis avant de recontacter l'agence. Bonjour, docteur Martin. C'est Solange. C'est juste pour vous dire que je vais mieux et que je reprendrai le travail demain comme prévu. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les rendez-vous cette semaine. À demain matin, donc. 2. Je sais bien que tu n'as pas le temps de répondre, mais tu te souviens peut-être ? Aujourd'hui, c'était les résultats de mon examen de solfège au conservatoire. Alors, j'ai réussi, avec mention très bien. J'espère que tu es fier de moi. Bisous, et à ce soir. 3. Docteur Martin, c'est Madame Leroy. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est à propos du nouveau médicament que vous m'avez prescrit. Depuis que je le prends, je ne dors plus, et en plus, j'ai des maux de tête terribles. Je voudrais savoir si je dois vraiment continuer. 4. Alors Jean-Charles, toujours autant de travail? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'ai plein de choses à te raconter. Est-ce que tu auras quand même un petit moment pour prendre un café et bavarder un peu, un de ces jours? Appelle-moi quand tu veux. Je t'embrasse. Ah oui, au fait, c'est Cécile. Tu m'avais reconnue? 5. Oui, bonjour. Ici le docteur Duval, du laboratoire Mercier. C'est au sujet des examens que vous avez prescrits pour Monsieur Lapouge. Je voudrais savoir s'il faut faire aussi le dosage du magnésium intracellulaire ou seulement du magnésium sanguin. Pouvez-vous me laisser un message au 06 43 12 27 29 ? Merci d'avance. 6. Allô chérie, si tu as une minute entre deux patients, tu pourras me rappeler à la maison ? Il y a un petit problème avec nos billets d'avion pour les vacances et je voudrais avoir ton avis avant de recontacter l'agence.
1. Non, je n'ai pas peur de la vitesse. Je te signale seulement qu'il y a des radars partout sur cette route. 2. Ah, ben flûte alors! Comment est-ce qu'on va faire griller nos saucisses? 3. Ça ne vous gêne pas trop d'allumer votre cigarette juste devant ce panneau? 4. Ça fait 10 ans que je passe ici 2 fois par jour et je n'en ai jamais vu traverser un seul. Non, je n'ai pas peur de la vitesse. Je te signale seulement qu'il y a des radars partout sur cette route. 2. Ah, ben flûte alors! Comment est-ce qu'on va faire griller nos saucisses? 3. Ça ne vous gêne pas trop d'allumer votre cigarette juste devant ce panneau? 4. Ça fait 10 ans que je passe ici 2 fois par jour et je n'en ai jamais vu traverser un seul. Je n'y connais pas grand-chose en musique, mais il y a un instrument qui fait un drôle de son. Ce n'est pas un instrument, c'est toi qui as oublié d'éteindre ton portable. 2. Oh, celle-là était superbe. Tu as vu ses couleurs? Oui, c'est très beau, mais ça me fait toujours un peu peur. Ça ne risque pas de mettre le feu en retombant? 3. On a vu passer au moins 300 voitures et pas une qui se soit arrêtée. Si tu avais fait réviser la tienne avant de partir, on n'en serait pas là. 4. Vous vendez ça comme animal de compagnie? Ce n'est pas dangereux? Pas du tout, monsieur. Il est très calme et il ne mange que des souris. 5. Vous savez que votre passeport est périmé dans 3 mois. Ah non? Je n'ai pas fait attention. Ça pose un problème? Pour ce voyage, non. Mais il faudra penser à le faire renouveler quand vous rentrerez. 6. Allez, encore un petit effort. Plus qu'un kilomètre et on arrive. Je sais. C'est la 5e fois que tu dis ça. 1. Bonjour, docteur Martin. C'est Solange. C'est juste pour vous dire que je vais mieux et que je reprendrai le travail demain comme prévu. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les rendez-vous cette semaine. À demain matin, donc. 2. Je sais bien que tu n'as pas le temps de répondre, mais tu te souviens peut-être? Aujourd'hui, c'était les résultats de mon examen de solfège au conservatoire. Alors, j'ai réussi, avec mention très bien. J'espère que tu es fier de moi. Bisous, et à ce soir. 3. Docteur Martin, c'est Madame Leroy. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est à propos du nouveau médicament que vous m'avez prescrit. Depuis que je le prends, je ne dors plus et en plus, j'ai des maux de tête terribles. Je voudrais savoir si je dois vraiment continuer. 4. Alors Jean-Charles, toujours autant de travail? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et j'ai plein de choses à te raconter.
Est-ce que tu auras quand même un petit moment pour prendre un café et bavarder un peu, un de ces jours? Appelle-moi quand tu veux. Je t'embrasse. Ah oui, au fait, c'est Cécile. Tu m'avais reconnue? 5. Oui, bonjour, ici le docteur Duval du laboratoire Mercier. C'est au sujet des examens que vous avez prescrits pour Monsieur Lapouge. Je voudrais savoir s'il faut faire aussi le dosage du magnésium intracellulaire, ou seulement du magnésium sanguin. Pouvez-vous me laisser un message au 06 43 12 27 29? Merci d'avance. 6. Allô chérie, si tu as une minute entre deux patients, tu pourras me rappeler à la maison? Il y a un petit problème avec nos billets d'avion pour les vacances et je voudrais avoir ton avis avant de recontacter l'agence. 1. Non, je n'ai pas peur de la vitesse. Je te signale seulement qu'il y a des radars partout sur cette route. 2. Ah ben flûte alors! Comment est-ce qu'on va faire griller nos saucisses? 3. Ça ne vous gêne pas trop d'allumer votre cigarette juste devant ce panneau? 4. Ça fait 10 ans que je passe ici deux fois par jour et je n'en ai jamais vu traverser un seul. 1. Je n'y connais pas grand-chose en musique, mais il y a un instrument qui fait un drôle de son. Ce n'est pas un instrument, c'est toi qui as oublié d'éteindre ton portable. 2. Oh, celle-là était superbe. Tu as vu ses couleurs? Oui, c'est très beau, mais ça me fait toujours un peu peur. Ça ne risque pas de mettre le feu en retombant? 3. On a vu passer au moins 300 voitures et pas une qui se soit arrêtée. Si tu avais fait réviser la tienne avant de partir, on n'en serait pas là. 4. Vous vendez ça comme animal de compagnie? Ce n'est pas dangereux? Pas du tout, monsieur. Il est très calme et il ne mange que des souris. 5. Vous savez que votre passeport est périmé dans 3 mois. Ah non? Je n'ai pas fait attention. Ça pose un problème? Pour ce voyage, non. Mais il faudra penser à le faire renouveler quand vous rentrerez. 6. Allez, encore un petit effort. Plus qu'un kilomètre et on arrive. Je sais. C'est la 5e fois que tu dis ça. 1. Bonjour, docteur Martin. C'est Solange. C'est juste pour vous dire que je vais mieux et que je reprendrai le travail demain comme prévu. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les rendez-vous cette semaine. À demain matin, donc. 2. Je sais bien que tu n'as pas le temps de répondre, mais tu te souviens peut-être? Aujourd'hui, c'était les résultats de mon examen de solfège au conservatoire. Alors, j'ai réussi, avec mention très bien. J'espère que tu es fier de moi. Bisous, et à ce soir. 3. Docteur Martin, c'est Madame Leroy. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est à propos du nouveau médicament que vous m'avez prescrit. Depuis que je le prends, je ne dors plus et en plus, j'ai des maux de tête terribles. Je voudrais savoir si je dois vraiment continuer. 4. Alors Jean-Charles, toujours autant de travail? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'ai plein de choses à te raconter. Est-ce que tu auras quand même un petit moment pour prendre un café et bavarder un peu, un de ces jours? Appelle-moi quand tu veux. Je t'embrasse. Ah oui, au fait, c'est Cécile. Tu m'avais reconnue? 5. Oui, bonjour, ici le docteur Duval du laboratoire Mercier. C'est au sujet des examens que vous avez prescrits pour Monsieur Lapouge. Je voudrais savoir s'il faut faire aussi le dosage du magnésium intracellulaire ou seulement du magnésium sanguin. Pouvez-vous me laisser un message au 06 43 12 27 29? Merci d'avance. 6. Allô chérie, si tu as une minute entre deux patients, tu pourras me rappeler à la maison? Il y a un petit problème avec nos billets d'avion pour les vacances et je voudrais avoir ton avis avant de recontacter l'agence. 1.
Non, je n'ai pas peur de la vitesse. Je te signale seulement qu'il y a des radars partout sur cette route. 2. Ah, ben flûte alors! Comment est-ce qu'on va faire griller nos saucisses? 3. Ça ne vous gêne pas trop d'allumer votre cigarette juste devant ce panneau? 4. Ça fait 10 ans que je passe ici 2 fois par jour et je n'en ai jamais vu traverser un seul.